Qu'est-ce que le mariage? Éternelle question que l'on se pose avant le mariage, et bien plus encore après être marié. Il faut être marié pour le savoir. Pas vrai? Oh, pardon. Pas vrai? Si dans 6 mois, vos 2 filles ne sont pas mariées, je vous plante là tous les 3. Et on verra comment vous vous débrouillerez sans moi. Il y a tout de même bien une réponse à cette question. Oui, il y en a une. Et il y en a même plusieurs. Et qui pourrait mieux vous les donner qu'un célibataire? Surtout si c'est Gérard Philippe. Et quel célibataire! De la prestance, une fière allure, cajoleur, beau parleur. Bref, le parfait séducteur qui sait tout du mariage par les femmes mariées. Et vous êtes venu à la conquête de Paris? Je suis beaucoup plus ambitieux. Oserais-je dire que je suis venu à la conquête des Parisiennes? Laquelle? Berthe Vabre ou Valérie Vabre? Personne ne nous dérangera. Car le mariage? Mais c'est la femme, voyons. Ou plutôt, les femmes. Déjà le jour? Mais quelle heure est-il? Octave, Octave! Les femmes font le mariage et le célibataire découvre le mariage en découvrant les femmes. Bourgeoises, fidèles. Monsieur Octave, ce ne serait pas bien. Octave, moi je ne vous ai jamais oublié. Jalouse. Tyrannique. Ah oui, mais là il m'a dit de lui dire une chose. C'est que tu lui plaisais. Il a voulu m'embrasser. Et tu n'en as pas profité pour le compromettre? Quelle cruche! J'ai eu peur! Moi, je vous ai donné ma fille! Vous avez fait miroiter un héritage imaginaire! Avant de crier, commencez donc par me verser la dot de Berthe! Nous la verserons à notre heure! L'oncle Bachelard est encore vivant, lui, Dieu merci! On n'en finirait pas à dénumérer ses qualités et ses défauts. Eh, hey, dis donc, l'espionne! La patronne à tout, elle aussi, c'est une belle garce, hein? Oh, aussi chameau que sa mère! Madame Josserand fait bien l'article pour sa fille. Redoutable belle-mère en puissance! Oui, mais moi, je me laisse pas entortiller. Cœur chaud sans froid. La fille est charmante, mais dans mon pays, on n'épouse pas. C'est pourquoi celui qui, en homme averti, a toujours su éviter le piège, vous jure, ses grands dieux, qu'il ne se mariera jamais. Et pourtant, un jour, l'heure des décisions sonne. Oui, mais quelle décision? Des regrets. Sans blague. C'est une gentille fille. Ce sera une gentille femme. C'est le secret de Peaubouille, le film réalisé par Julien Duvivier, d'après l'inoubliable roman d'Émile Zola. Peaubouille, une extraordinaire peinture des mœurs de l'époque. Je voudrais bien que je sois une fille, hein? Mais je t'aime assez pour être ce que tu voudras que je sois. Un film plein de quiproquos inattendus, de situations truculentes et de rebondissements irrésistibles. Peaubouille, un film étourdissant d'esprit où le drame se mêle au rire. Peaubouille, le grand film de l'année. Une production de Robert et Raymond Hakim.